Je sais pas encore si je vais aller voter cette année ou pas. Je m'appelle Jennifer Pepierski, j'ai 25 ans. Je vis à Villeurbanne. Je vis toute seule, je vis en foyer de vie. Un foyer de vie, il y a des personnes handicapées, il y a des personnes qui sont malvoyantes. On en a deux ou trois. Et il y a un ésâtre aussi qui est en bas. Et il y a des éducs, il y a des éducateurs. Je pourrais voter cette année. On pouvait pas voter, nous, encore. Non, c'est que les personnes handicapées n'avaient pas le droit de voter tout de suite. On n'avait pas le droit de voter. Il n'y avait que les personnes pas handicapées qui avaient le droit de voter. Non. Parce qu'on est tous pareils, on peut tous voter pareil. Ça fait un peu bizarre, on connaît pas trop encore. Macron. Le Pen et les deux autres, je sais plus. Mais il y en a 12, je sais. Je regarde un peu les infos, des fois on en parle entre nous. Mes collègues, mes amis ou des fois les éducateurs. Je sais pas encore si je vais aller voter cette année ou pas. Bah non, tout le monde doit être ensemble. Ouais, c'est important pour toi ? Bah pour tout le monde. Ça sert à rien de mettre les handicaps. À part que les gens normaux de l'autre côté, on est tous pareils. Après, on n'est pas pareil, mais on a tous la même vie.